Bonjour à tous et je suis content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'étonnant. On est habitué à vous présenter des voitures avec leurs propriétaires, mais aujourd'hui, dans Passion Autosport du Var, on va filmer une discipline. Une discipline très répandue au Japon, aux États-Unis, elle commence à faire fureur en France, c'est le drift. Eh bien, on va se concentrer aujourd'hui sur ça, on va apprendre toutes les techniques de pilotage du drift, on va voir les manœuvres en action et ça va être un pur régal dans Passion Autosport du Var. Jérémy, salut. Hey, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Nous aussi, on te reçoit tous. Alors là, comme je disais tout à l'heure dans mon intro, d'habitude on est habitué à filmer un propriétaire d'une voiture pour la présentation d'une voiture de collection. Là, on va filmer une discipline. Une discipline qui commence à être bien connue en France. Connue, ça arrive, ouais. Petit à petit. Manipulée au Japon, aux États-Unis avec brio. Ouais. Alors toi, tu es un fan de drift. Alors c'est quoi le drift? C'est de la glisse. La glisse, tu contrôles ta glisse, un déclenchement, une glisse, et puis un enchaînement de virages successifs. Bon là, sur piste pour se faire plaisir, ou sinon en compétition avec des clips. Ouais. Une zone de déclenchement, t'as une zone particulière. Soit tu peux avant, mais le mieux c'est dedans pour marquer maximum de points. Et après, viser tes clips, vitesse, angle, rapide. Mais, ça fait combien de temps que tu en fais toi? Ça fait depuis 2014. Donc, comment t'es venu cette piqûre de passion sur le drift? C'est un ami. Qui est là, qui est présent, mais il ne peut pas rouler, sa voiture n'est pas finie, malheureusement. Et il a commencé, on a commencé ici, parce que tu connais la Sainte-Baume. Ouais. C'est pas très légal, mais bon. Le col de l'Espigoulier. C'est ça, voilà. Des virages bien larges, des belles courbes. Des belles épingles, on a commencé là-dedans. J'ai commencé en grip, moi. Puis après, cet ami a commencé en glisse. Puis, c'est venu. Donc, j'ai acheté la première, celle-là. C'est ma première bagnole de drift. Alors, la voiture. Pour le pur drifter, c'est la BM dans toute l'excellence. C'est le moins cher, donc tout le monde achète, accessible, 3,23, 3,25, 3,28. Pas besoin d'avoir des voitures de 300 chevaux. Pour commencer, non. On achète un pont, enfin même pas, on le soude. On soude le pont et on peut partir sur ça. Et après, on l'équipe au fur et à mesure, grand angle, train plus rigide, on peut la ressauter, l'homologuer pour faire ses championnats. Voilà. Après, alors toi pour l'instant tu fais c'est de la passion. Moi c'est de la passion, c'est voilà, pour voilà, balader dimanche même s'il faut. Des projets dans l'avenir pour essayer de cette passion devenir peut-être un peu plus. Je pourrais reprendre, j'ai déjà fait une manche championnat en 2016, ici même. Ah voilà, on est au Driving Center et là donc il y a le championnat driving, de France ouais. Ici qui ici, ouais. Et il championnat d'Europe, non c'est pas ça? Le King of Europe, mais il se fait pas ici. D'accord. Il se fait en Espagne, Italie, il se faisait en Suisse, en montagne, en France, pipé, etc. Et ouais, ça serait peut-être la réhomologuer pour faire un championnat pour revenir alors, ici, parce que c'est un tracé sympa. Il y a un bon tracé sympa à faire, peut-être en 2019, pourquoi pas. Alors ce qu'on va faire, tu vas nous détailler vraiment cette voiture, parce que ouais. C'est bien beau, on parle de la passion, mais les voitures sont équipées d'une façon là, justement elle est pour... Là, d'origine, donc ouais, j'imagine. Je peux te la décrire. Ouais. Donc alors, on va faire le tour de la voiture, ouais. Et puis tu vas vraiment nous expliquer toutes les caractéristiques d'une bonne voiture de drifter. Les pneumatiques, la pression des pneus. On verra tout à l'heure plus en détail la technique de pilotage. C'est, on voyait déjà, ça envoie du couscous derrière là. C'est un truc de malade. Ça commence, ça y est. Ils sont chauds patates. Ils sont bouillants là, ça y est. Ils sont chauds patates.
c'est de base M50 B25 ou 323i avec admission de 325i. Après, il y a un gros injecteur et passé à l'éthanol pour gagner quelques chevaux supplémentaires, ça fait pas de mal. Donc elle a été refaite suite à un accident, donc c'est tout neuf. Peinture, moteur lavé, révisé, donc c'est prêt pour rouler. Ensuite, niveau train, on est sur du grand angle, donc triangle rallongé, cale Polak, c'est une cale pour changer son point de pivot au niveau de la crémaillère côté moyeu. Des slicks pour avoir du bon grip. Ensuite, train arrière, pareil, tout sur cylindre bloc renforcé, caisse renforcée aussi. En pneumatique, après derrière, c'est du récupéré. Tout ce qui est pas bon pour la personne lambda, nous, c'est bon pour nous. Il reste assez de gomme pour faire quelques tours. Ça coûte pas cher, c'est gratuit. Du coup, il y a un kit fibre dessus qui est posé. Suite à cet accident le 10 mai, j'ai refait entière avec l'aide d'un ami qui devait être là mais qui viendra cet après-midi. Donc, moi dessus j'ai un pont en 3,45. Donc, c'est impeccable pour une petite tracée comme ça, c'est nickel. Après même pour un sans buc, ça passe aussi nickel. Donc sur l'intérieur, arceau, baquet pour le minimum. Le frein à main, ce n'est pas un frein à main hydraulique, c'est un frein à main d'origine modifié pour avoir une bonne prise en main et pour tirer de bons câbles. Un short shift pour un passage vitesse un peu plus rapide, plus précis. Un poste autoradio, toujours pour les files d'attente. C'est toujours mieux parce que des fois c'est long, alors la musique c'est sympa. Après un volant pour retourner, pour avoir un grip avec les gants, pour avoir un bon grip. Un extenteur pour on ne sait jamais. Touche du bois, mais. Et voilà, après bien vider la caisse, déblaxonner, alléger le faisceau aussi, pareil, habitacle, tout ce qui ne sert plus à rien. Les ABS, airbag, toutes ces conneries qui ne servent plus. Et voilà, simplement. Et toujours avoir un singe aussi dans la voiture, ça aide, ça fait un compagnon de route. Et voilà. Bon, Jérém, tu vas me faire vivre une expérience. Ils sont chauds patates. Hein. Ça tourne. Hein. C'est impressionnant. Il y a un bordel. C'est parce qu'ils nous attendent. C'est pour ça. C'est une ambiance, je vous jure. J'ai l'impression d'être au Japon ou aux États-Unis. C'est un truc de malade. On va y aller. Bon, alors, hier soir, j'ai fait la bringue. Ah. Alors, tu vas y aller mollo si tu veux pas que je repeigne ton sol. D'accord. On est deux alors. Donc, on va. Mais ça va, moi. Ouais, mais écoute, nickel alors. Je suis un peu stressé. C'est vraiment, comme je dis, c'est la première fois que je monte avec quelqu'un qui fait du drift. Et puis on va essayer de vous filmer un peu des techniques. Alors Jérémy va essayer de commenter quelques techniques de pilotage, mais je sais pas si on entendra dans la voiture parce que je pense que ça fait du bruit. On va arriver normalement. On va essayer de crier fort. Après je vais essayer de vous montrer la position des mains quand on est en pleine courbe, voir un peu sur la pédale d'accélérateur comment ça se passe, les transferts de masse, enfin on va essayer de gérer tout ça. Un peu tout ça. Tu vas nous en mettre plein la vue. L'appel contre appel. L'appel contre appel. Et là. Bon, je vais tout te faire pour une première fois. J'adore mes reportages, mais aujourd'hui, c'est. Waouh, je vais kiffer. C'est des nouveaux. Bon, j'ai un petit peu mal au cœur quand même. On y va? Tu veux de l'eau? Je bois un coup d'eau. Ça va, allez. Ben c'est parti. Allez. Alors ça y est, je suis dans la BM. Alors c'est une série 3, 323i. C'est une série 3, 323i, ouais, de base.
de 179 chevaux si je dis pas. 170, bon là elle est pas repassée au bar, mais normalement elle sera un petit peu plus vu qu'on a un passage sur l'éthanol. Alors au niveau de la pression des pneumatiques quand tu fais du drift, c'est quoi la bonne configuration? Ça dépend de la gomme derrière, et là je suis à 2/2 à peu près. On peut mettre, ceux qui débutent, ils mettent plus de pression. Après tu chauffes, donc automatiquement ça monte vite. Automatiquement ça monte en pression. Bon ben, on va faire un essai. Là, on va faire chauffer, là. Je commence à me faire un peu dessus, moi. Allez, à tout à l'heure, un couplet. Alors on va essayer de parler un peu fort. Donc, la technique de drift, réellement, c'est-à-dire c'est quoi? T'arrives dans un virage, comment tu fais? Il y a plusieurs techniques. Il y a l'appel contre-appel. Ou on va pouvoir déclencher au frein à main. Ou blocage de port. Chacun sa technique. Moi j'aime bien déclencher au blocage de pont ou un bon appel contre appel, ça fait jamais de mal. Ça secoue un peu mais... Alors là c'est chauffe, on chauffe les pneus là. Ouais, chauffe les pneus avant, ouais, vu que je roule en slick. Oh, ça part de suite, rien, sans rien faire, ça part de suite. C'est la géo qui me... sans forcer. Sans forcer, la voiture part toute seule, c'est un truc de malade. On est là, on attend. Alors là, on est juste sur le tour de chauffe, sans forcer. Jérém arrive à envoyer la voiture, mais sans forcer. Alors, à savoir qu'elle est froide. La voiture part toute seule. C'est juste impressionnant. C'est vraiment une première pour moi. Et je faisais le Mariole quand j'avais la Subaru à dire que j'arrivais un peu à l'envoyer en travers. Et ben, je peux vous dire qu'en fait, j'étais vraiment une grosse quiche, tout simplement. On n'est jamais une quiche. On glisse à sa façon. Blocage de pop. On vient de changer les pneus. Alors là, il m'a dit que ça allait être pire. Je m'inquiète déjà. Thank you.
est pas mal, hein. Ce mec-là est un grand malade. Ce mec-là est un fou furieux. Il y a que des dingues ici, c'est pour ça. C'est énorme. Écoutez, honnêtement, j'ai pris un pied d'enfer. Je connaissais pas du tout cette discipline et je peux vous dire que les mecs, c'est des vrais pilotes. C'est des vrais pilotes. C'est Alors ta première fois, en douceur, hein, c'est bien passé, hein. Mais alors tout seul. Je le kiffe, ce mec. J'adore. Merci, franchement, merci. Bah de rien, c'est avec grand plaisir. Merci. Bon. T'es un grand malade, mais putain, ce mec-là, ah ouais, tu m'as fait vraiment passer une super journée. Ce mec-là est piqué par ça, il a un talent de pilotage vraiment monstrueux. Chapeau l'artiste, tu gères la voiture comme si pas possible. Ça t'a fait plaisir, moi ça me fait plaisir de t'avoir. Je t'ai dit, c'est la première expérience. Parce que je suis pas seul. Alors ce que j'aime bien dans cette discipline, c'est qu'il y a une belle entraide, une belle mentalité. Vous avez l'air d'être une bande de potes. C'est notre team qui est là. Voilà, donc il y a un team Facebook, on peut vous retrouver sur Facebook. Ebisu Drift Team. Voilà, donc allez voir Ebisu Drift Team et likez la page, regardez les préparations des autos, regardez le talent de ces pilotes. On les partage, les préparations, les partages, il y en a c'est pas mal. C'est juste fabuleux, je te fais la bison, Loulou. Bon, c'était extraordinaire. Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Auto Sport du Var. J'espère que vous allez en prendre plein les yeux comme moi, je viens de vivre cette journée extraordinaire. On est encore au Driving Center, je crois que je vais apprendre un abonnement ici parce que j'y suis tout le temps. On y est souvent. Génial. Les yeux et le nez. Et n'oubliez pas, allez liker la page. Et bisous Drift Team. C'est là. Allez-y parce que franchement les mecs ils en valent la peine. À la semaine prochaine. Salut.